Voilà, bonjour, je suis Angèle Etoundié-Samba, photographe d'origine camerounaise. Voilà, je vous invite à faire une petite promenade avec des vélos. Merci. I still walking on the way, I hope you will come. I know the time will come. I love to stay with you and by hand with you. I know the time will come. Mon travail parle de quoi? Mon travail parle de l'être humain, de la femme en général et de la femme noire. Et ce travail vise en fait à briser avec tous les stéréotypes qui y a autour de la femme de l'Afrique, qui est réduite à une Afrique de misère, une Afrique de guerre, une Afrique ravagée par la famine, les femmes opprimées, oppressées. Et ce travail, justement, rompt avec tous ces stéréotypes-là en montrant une image aussi bien de l'Afrique que de la femme, surtout de la femme actuelle, la femme, comment dire, contemporaine. Ce travail qui a été inspiré spécialement d'un voyage que j'ai réalisé à Zanzibar sur le thème du voile est très important pour moi parce qu'une fois de plus, il rompt aussi avec l'image du stéréotype, l'image négative qu'on a toujours sur les gens qui portent le voile et montre donc des femmes voilées élégantes, dignes, fières, sensuelles même, qui portent le voile. Et ces images montrent que effectivement le voile c'est aussi ça et que le voile physique n'est pas forcément le voile mental. Donc c'est un travail qui est encore une fois un pont entre l'Europe, l'Afrique, entre la Hollande où je vis, l'Afrique où j'ai réalisé la plupart de ces travaux et l'Espagne où ce travail est exposé aujourd'hui. Donc c'est un travail aussi qui crée un pont, qui crée des ponts et qui brise les frontières, qui rompt avec les frontières. Africa vive. Vive Africa.